Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH, je vous sors la suite de notre let's play découverte de Stellar Blade sur PS5. La dernière fois, on a commencé le jeu, le rapide résumé de ce qu'on sait. Eve, on va dire, est un être venu du ciel, vu qu'on sait pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un androïde style 2B comme dans Nier Automata, mais j'en sais pas plus. Qui avait pour but de sauver la Terre, qui est aux mains des Nightiba, des créatures tout droit sorties d'un Souls, hein, on va pas se le cacher. Qui ont décimé, je pense, une bonne partie de la population, parce que la planète est un peu en post-apo. Et c'est dans ce milieu qu'on évolue avec notre ami Adam, ce petit drone, ou plutôt l'humain qui pilote ce drone et avec qui on peut parler. Donc on cherche un Nightiba Alpha qui a tué notre ami. On va traverser ce bâtiment. Essaie d'insérer ta cellule à fusion ici. Un petit raccourci. Donc on doit aller ici pour la suite. Nous, on va aller par là. Ah, il m'a... Bon, bah, parce que ça fait les chopes. Quand j'esquive, ce serait sympa que le mob me touche pas. Oh, ce début d'épisode laborieux. Voilà, toi dégage. Saleté. Je vais pas tout lire ce qu'on récupère parce que je pense qu'on va récupérer beaucoup. Lui on a le code. Ok. Avant de poursuivre, on va remonter vers le camp. Le fait qu'on a rien là-dedans, non, c'est bon. Alors, c'est l'échelle que tu chopes. Merci. Ah, t'es encore à toi. Donc les boucliers, elle est protégée par un bouclier. Tant qu'il est actif, elle bénéficie d'une réduction de dégâts proportionnelle au niveau de protection du bouclier. Le niveau de protection du bouclier diminue à chaque fois que le bouclier subit une certaine quantité de dégâts. Certains ennemis sont protégés par un bouclier et bénéficient d'une réduction de dégâts tant qu'il est actif. Détruisez ce bouclier pour les étourdir et perdre sa mutation de compétences. Utilisez des compétences comme brise-bouclier ou équipement d'instruction de bouclier pour détruire rapidement un bouclier ennemi et reprendre le dessus. Pas de compétences qu'on n'a pas pour l'instant. Thank you.
On va essayer d'esquiver celui-là. Dégage. Adam, c'est quoi ça? Tu ne le sais pas. C'est une carte. Une carte? Comment on peut synchroniser la position sur la carte? Ce soupir d'Adam qui veut tout dire. Cœur de plastique volume 3. Bon, ça, c'est pas intéressant. Oh, on dirait une ancienne bibliothèque. Ces boîtes le long du mur, ce sont des appareils de stockage ? Plus ou moins. Ils n'ont qu'un mégaoctet de capacité. Quel gâchis de ressources. Ouais, ça se voit que Eve, elle est pas tout à fait comme les humains. Hein. Elle a pas vraiment le même mode de pensée. Beaucoup de dégâts inutiles. La crevasse est profonde. Elle sera difficile à traverser. Il va falloir passer par la tour de stationnement. Raccourci, ouvrir de l'autre côté. Je l'ai esquivé par contre. Tout ce qu'on avait ici, ouais. Ah non, il y en a un autre là. C'était un faux. Que tes souvenirs perdurent pour toujours. Donc on a les noyaux corporels et les noyaux bêta, donc les noyaux bêta pour l'énergie bêta qu'on a vu la dernière fois, et les noyaux corporels pour les PV. Alors, je n'ai vu que ces deux là dans la démo, donc je ne sais pas s'il y a un troisième noyau pour le shield, peut-être. Un camp de ravitaillement dans un tel endroit? Un camp de ravitaillement? C'est quoi? C'est un dépôt de l'escadron aéroporté qui est venu ici avant. Il a l'air d'être abandonné depuis longtemps. Pourquoi avoir monté un camp dans un endroit pareil? Eh bien, ces camps servent aussi de base importante. Et ce parking est important? Ça peut aussi signifier que cet endroit est dangereux. En tout cas, cet endroit pourrait nous être utile. Camp de ravitaillement. Les camps de ravitaillement possèdent plus d'infrastructures que les camps ordinaires. Vous utilisez la console de réparation ici pour améliorer vos armes, augmenter le nombre de charges de l'injecteur et améliorer vos exospines pour renforcer les capacités de combat d'Eve. Vous pouvez également améliorer votre drôle, fabriquer des nanocombinaisons et vous téléporter vers d'autres camps.
Donc les camps qu'on adore trouver. Alors déjà là-dedans, qu'est-ce que tu as? Ça, j'en ai claqué un inutilement, donc on va le reprendre. J'ai pas de grenades. De toute façon, les grenades, en vrai, je vais m'en passer. Voilà, avec ce corps qu'on débloque l'éclipse. Donc, cette action est disponible que lorsqu'un ennemi lance une attaque mortelle, donc la chope bleue. Pour vous esquivez l'attaque et vous vous téléportez dans le dos de l'ennemi, étourdit l'ennemi et recharge votre énergie spontanée en cas d'attaque réussie. Donc, je cycle vers l'avant et cercle. Et sur les compétences comme ça, il y a de l'entraînement. Donc lorsqu'un ennemi brille d'une lueur bleue et essaie d'effectuer une attaque mortelle, utilisez l'éclipse pour le contrer. Si l'ennemi se trouve à portée des compétences d'EF, son épée brillera de la même couleur. Appuyez sur le joystick vers le haut plus cercle lorsque l'épée d'EF brille pour passer dans le dos de l'ennemi et contre-attaquer. Et après il n'y a plus qu'à l'achever. Enfin, faut bien le bourrer. Compétence extrêmement utile. Et comme j'ai encore mes points de compétence, que ça c'est une compétence, on va dire, de scénarium. Tac. Parfaite, améliorée. Adam? Oui? À propos d'hier, merci de m'avoir sauvé. Ce n'était rien, vraiment. Bien que j'ai utilisé la plupart du matériel Exospin que j'ai collecté au cours des années. Oh. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on peut s'entraider. On peut rechercher le Naitiba Alpha ensemble. J'aurais bien du mal à m'en sortir tout seul, de toute façon. Si tu arrives à localiser le hall des archives, on aura déjà fait beaucoup. Écoute, ne t'en fais pas. Je te revaudrai ça. Je te le promets. Je ne me souviens pas de cette scène dans la démo. Intéressant. Et donc on dit Exospin. Ok. Je vous présente le boss de la démo, Abaddon. Essayez. Bon, j'aurais dû marteler ce cercle là par contre. Mais ça, c'est pas les genres de mini-boss qu'on a vu avant, hein. Ça, c'est un vrai, vrai gros boss. C'est l'éclipse.
fois, les skills bêta, ça va contrer certaines attaques que vous ne pouvez pas avoir. Vous allez bien les garder pour le bon moment. Genre ça. Olé. Voilà, ça c'est un châtiment. Quand tu es complètement déséquilibré, c'est sympa à sortir. Tu l'as vaincu, Eve. Impressionnant. Ce n'était pas un Aitiba Alpha. Ça ne l'était pas, mais ça reste puissant. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Peut-être. Bon, Adam, dis-moi par où passer. D'accord. Laisse-moi regarder les données cartographiques. À vol d'oiseau, le hall des archives est plutôt proche. Mais tout le quartier est submergé. Il faut trouver un moyen de traverser. Il n'y a aucun chemin d'accès alors. J'ai trouvé! Tu vois le panneau derrière la statue de pierre? Il y a un module de transport que tu peux utiliser. Quoi? Tu penses vraiment que ces modules abandonnés fonctionnent encore? Le camp était en bon état, après tout. On va rester positif, ok? Bon, si tu le dis. Alors, toute cette scène, je l'ai pas eue. Dans la démo, après l'exécution d'Abaddon, la démo est finie. Donc là, on est en terrain nouveau. L'équipement permet d'améliorer les capacités de combat d'Eve. Utilisez les emplacements d'équipement disponibles pour renforcer les capacités de votre choix. Appuyez sur la touche d'option, puis dans l'onglet équipement. Oui, bon. Vous pouvez récupérer des omnivis pour débloquer des équipements et utiliser plus d'équipements. Ok. Bon alors déjà, on va aller faire un tour au camp pour se soigner, récupérer tout notre soin. Et on fera ça dans la foulée. De points de compétences, ouais, battre Abaddon m'a pas mal aidé là-dessus. Alors, on peut récupérer une nouvelle attaque bêta. Donc, soit l'onde de choc ou le brise-bouclier. Oh, le bouclier, c'est pas de bien dans les médias. Je pourrais récupérer plus d'énergie bêta, donc les spammer plus. Ouais, on va prendre ça. Ok, ça c'est fait. Alors. Arsenal. Non, ça je voulais faire. Qui vont des charges bêta? Recharge d'énergie bêta bonus 6%.
Oh, plus 4 points que ça. Ah oui, ça. Dans l'immédiat, ça c'est bien ça. Pour l'instant, j'ai qu'une seule combinaison. Pas d'accessoires. Des boucles d'oreilles, pourquoi pas. Et j'ai qu'un seul pack pour le drone. Ok. Ça, on enlève. Tout ça, on retire. J'aime pas les petits trucs. Ok. Ouais, je vais rester là-dessus. On va rester là-dessus dans l'immédiat. Ah bah il y avait un camp au bout. Nyeh. J'adore faire des tours inutiles. Viens là-bas. Pourquoi j'ai voulu parer, moi? Voilà, lui était propre. Oh, il y en a un troisième. Yes. Ah, il y en a. Je te connais pas, toi. Dégagez. Un grillon explosif, ouais, j'avais remarqué. Les exospins permettent de définir le style de combat dev. Combinez divers exospins pour créer le style de combat de votre choix. Utilisez une console de réparation dans un camp de ravitaillement pour améliorer vos exospins. Chaque amélioration débloque de nouvelles fonctionnalités. Augmente de 27% la puissance des enchaînements de niveau 2 ou plus. Bon, en vrai, ça se prend.
Dans un passant, j'ai pas tellement le choix sur ce que je peux équiper, donc... Coffre avec un code. Ah, raté. Voilà. Couché. Ah non, je peux même pas accéder au coffre, d'accord. Ok. Ah non, t'es dans la rue toi, ok. Monsieur la fusion. Seems legit, vu que j'ai une porte qu'on a besoin. Ah, peut-être que je pouvais pas l'ouvrir parce que j'avais les lignes dans la zone. Ah, c'est le centre de deux, celui de la fusion, c'est pour ça. Donc celui de la voiture et celui du coffre. Ok. On va d'abord activer le camp. Là-dedans, j'ai un point de compétence. Frappe Argan, frapper de l'ennemi dans les airs avant d'atterrir. Venir la garde de l'ennemi, enchaînement offensif. Ah. Intéressant. D'ailleurs, eux ils ont respawn, hein, c'était prévisible. Ok. Le bulldozer. Il porte bien son nom pour le coup. Ok, donc là, l'autre côté de la crevasse de la dernière fois. Yeah.
un journal. Un seul sur les deux, dommage. Alors lui il va être pénible. Descendre par là, on dirait. D'accord. Là, je sais pas d'où il est sorti, et j'ai pas aimé. Pas du tout où je suis, je sais pas du tout où je vais, ça manque de cartes en vrai. Que tes souvenirs perdurent pour toujours. J'ai bien fait de vouloir fouiller. Bien ce qui me semblait ici, c'était que pour de l'annexe. La tronche de l'annexe quand même, hein. M'agripper nulle part? Non. Ok. On se casse. Ah, d'accord. Là, c'est fermé. Ok. On va repasser par le camp pour se soigner un coup. Et en vrai, je me dis qu'au vu du temps d'épisode, on pourrait presque s'arrêter ici. Sauf que le bulldozer respawn, non? Ah non, le bulldozer ne compte pas comme un mob qui respawn. Ah. En vrai, ça me va. La suite est par là-bas, donc on va faire demi-tour. On va explorer cette partie-là et on va s'arrêter ici. Ça, on pourra juste avancer vers la principale pour la prochaine fois. Parce qu'en vrai, vu là où je suis, il doit bien y avoir un shortcut qui doit traîner quelque part. Yeah.
Ah. Ce qui permet, je loot, d'accord. Merci. Voilà. Ça a du bon de fouiller. Voilà, comme ça, il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? D'accord. Un système de piratage. Ok. Intéressant. Ah, les omnivis. What? Ah! Des mobs loot. C'est une machine qui récolte les reliques. Ces machines sont rares. Les laisse pas filer si t'en vois une. Et je suis... où? Ah, si, ok, je vois. Je dois aller par là, moi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Et ben, on aura fait un petit tour de l'annexe que la zone proposait. Donc, on va pas pouvoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on va pouvoir continuer vers la quête principale la prochaine fois. Tac. Eh ben, merci d'avoir suivi pour cet épisode de Stellar Blade. Le petit like, commentaire, partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt pour la suite de Stellar Blade. J'en ai tellement la hype que j'en perds mon speech de fin. Allez, salut!